Hey yo les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Crew. Aujourd'hui The Crew 2. Aujourd'hui on va continuer notre petit live soumis. Aujourd'hui petit live soumis. Alors j'ai l'impression que ça va être surtout sur de la Formule 1. Donc on va voir ça tout de suite. On va voir ce qu'on a gagné sur le live soumis qu'on a eu la semaine dernière. Donc on a eu un classement. Ah, pas mal le classement, ça va. C'est bon. Allez, hop, on récupère. Donc, hop. Donc, pas mal de petits followers. Donc, on va regarder déjà ce que j'ai gagné dans tout ça. Alors, j'ai pas vraiment joué depuis la semaine d'avant. Depuis le live et depuis que je vous ai fait la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors, pilote. Donc j'ai gagné. Ok, j'ai gagné un truc doré et des points. Donc les points, bien sûr, vu que j'ai terminé, on va essayer de les mettre un par un. Comme ça, ça montera petit à petit. Pour le moment, la richesse, on va pas trop y toucher. Ça servirait à rien. Véhicule, donc on a un truc doré, ouais, mais là, celle-là, je l'ai déjà faite, ouais, celle-là, on va là, Red Bull dans le désert, hop, donc, hop, bon, bah, c'est bon, alors, voyons voir ce qu'on a de prévu pour ce live Sumi Sushi, je pense que ça se passe spécialement Formule 1 cette semaine. Light Trailer. Link Trail. Ok. 6 jours restants. Ok. Donc on gagne. Donc en bronze, des followers, comme d'habitude. Des pièces en argent. En or, une voiture. Une Nissan. Pour ceux qui se connaissent, la R33. La GTR, donc la Skyline. Et en platine, nous avons en platine un pneu noyau en fusion bleu. Ok. Ouais. Plutôt pas mal comme petit trou. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les radars, les slaloms, les fuites. Donc, on a surtout du jaune. Et nous avons du speed race. Du Drag Race et un Alpha Grand Prix, donc plutôt pas mal. Ça va, on a du prix, une Air Race, alors ça c'est en avion, Jet Sprints en avion et Alpha Grand Prix, ça c'est en véhicule, donc on verra bien. Je pense que je prendrai l'Alpha Grand Prix parce que pour le moment je sais pas. Donc je sais pas si ça sera en double partie, donc peut-être que vous aurez double partie sur ce. Une à 17h et une le lendemain, donc le matin de bonne heure, peut-être vers 9h. Alors je sais que peut-être pour certains sont peut-être en cours, mais vous pourrez toujours. Alors attendez, par contre, on va changer de voiture. On va changer de voiture. On va prendre, comme d'habitude. Elles sont mes voitures. Ah bon, on va prendre l'Alpha Grand Prix dans ces coups de temps là. Ça va changer. On arrive bientôt à la zone. Oh, par contre, c'est pas vous qui avez bugué, c'est bien moi, c'est le jeu.
Donc, alors pour les mercredis, petite info, il y aura moins en moins de vidéos en mercredi pour le moment parce que bah, vu qu'il n'y a plus trop de jeux qui sortent. Alors, je vous avais dit que normalement je ferais des infos, des trailers sur des films. Et le truc, c'est que sur les trailers de films, j'ai un peu peur que y ait des copyrights ou des trucs comme ça. Donc, je préfère que pour le moment, on reste comme on est. Donc voilà. Donc, slalom. Bleu, normalement de bateau. Wow. Ça va encore loin, j'ai l'impression. Ça va encore très très loin. Mais là, j'étais vraiment rouillé. Oh yeah! C'est vraiment chaud quand il y a des slaloms qu'on n'a pas fait. Donc c'est un peu chaud. Mais bon, ça va. 30 000, ça va. C'est pas. Et une fuite. Alors là, je pense que ça sera. Changement automatique de véhicule. Aucune restriction. Les trois premiers trucs, normalement, c'est les plus faciles, mais bon, c'est vrai que les slaloms en bateau, c'est pas facile, facile. Alors attendez. Oui. Alors. On va prendre la Formule 1. Voilà. En espérant que ça bug pas parce que les fuites sont des fois buggées. Ah, je me suis paumé là. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bon, attendez, on va recommencer. Je suis parti, je ne sais où. À la place de passer comme d'habitude par là où je passe, mais non, je suis passé par l'autre côté. Ah, mais attendez, je fais une demi-tour là. Elle tourne! Oh là là! Ah, je suis nul là! Qu'est-ce qui m'arrive? Poussez-vous! Poussez-vous! Ah, la zone accélère. Et puis là, vu que c'était un champ, même en...
J'aurais pas pu faire grand-chose avec celle-là. Oh là là. Mais attendez, c'est quoi le record? J'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de tenter un truc. Alors, est-ce que ça pourrait marcher? Alors, on va tenter un truc ensemble. Ça sera l'une des choses que je vais tenter avant. Parce que normalement, vous savez qu'on peut changer de véhicule à tout moment. Donc, comme ça. Et vous pouvez utiliser d'autres véhicules. Donc, on va tenter ça. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas, j'aurais tenté. Bon. J'aurais tenté le truc. Changer un véhicule, ça aurait été marrant. De toute façon, j'avais déjà bien fait tout à l'heure, mais là. Là, j'ai fait de la merde, hein, alors j'ai encore descendu. Ouais, j'ai descendu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, normalement, il garde les points qu'on avait déjà. Mais je sais pas comment il a pu faire pour aller aussi loin, l'autre. Hein. Clairement, faire autant, faut vraiment y aller. Alors là, on va faire du speed race, spécialement DeLorean. Donc on va... Heureusement que moi, la mienne, elle est bien boostée. Donc, super. Bon, au moins on aura vu si on pouvait changer. Et non, on peut pas changer de véhicule. Ça aurait été marrant, clairement, si on pouvait changer de véhicule. Se mettre en avion comme ça, on aurait pu aller clairement beaucoup plus loin. Mais on peut pas. Clairement, on peut pas. Donc, oh. Un petit bug, c'est pas trop grave. Donc pour ceux et celles qui ont tenté au moins une fois, ben là, vous savez que vous ne pouvez pas changer de véhicule, à part s'il y en a qui ont réussi puis que j'ai pas appuyé assez fort. Mais pourtant, j'ai appuyé assez fort et... Oula, mais je suis bourré moi ou quoi? Mais pourquoi elle tourne pas? Je me trompe de touche ou quoi? Ah ouais, je me trompe de touche. C'est quand même mieux, hein. Ouais, passer d'une traite le machin. Ouais, une fois que tu les... une fois qu'ils sont semés, on est tranquille. Bah, par contre, désolé pour les néons bleus, hein. J'aurais pu passer par... Mais bon, là j'ai quand même clairement de l'avance sur eux. Donc on est tranquille. C'est pas celle que je croyais en fait. Ça doit être une autre course, ça. Parce que normalement, c'est pas celle-là pour avoir la Deluxo. Parce que normalement, il y a une course exprès pour avoir la Deluxo. Donc la DMC, la DeLorean. Vous avez une course pour l'avoir. Mais je crois bien qu'elle est plus. Elle est plus dans le machin.
Parce que vous pouvez la voir. Hein. La DMC. T'as les tournants de merde, quoi. Je pense qu'on peut tourner là, mais faut avoir un bon coup de main pour tourner. Oh, par contre, alors il y a quelques lags, hein, bien sûr, et il n'y a pas que vous hein, qui a les lags du jeu. Moi aussi j'ai les lags du jeu, il y a quelques moments où j'ai des freezes. Donc ne vous inquiétez pas si ça bug. Surtout quand il y a l'atterrissage. Oh le bord. Ils sont chiants ça avec les bords. Bon, après faut dire qu'au moins c'est réaliste. Mais c'est vrai que c'est casse-couille parce que il y a des bords pour les courses, c'est chiant. Ils devraient les enlever au moins les bords pour les courses. Mais bon. Par exemple, ces bords de merde là, de mur. Ah voilà. Habitude du podium. Ah punaise, celui-là, combien de fois je l'aurais eu, celui-là, ce truc-là. L'habitude du podium. Je sais pas combien de fois, mais au moins je l'ai eu. Bon, on va passer au Drag Race. Bon bah là c'est plus sympa, au moins c'est du tranquillou. C'est de la mise à mort, on va dire. Alors est-ce que celui-là je l'ai déjà fait? Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont nouveaux et que je n'ai pas encore débloqué. Donc on va voir s'ils sont tout nouveaux, tout beaux, tout frais. Ouais, bon, on va prendre celui-là, de toute façon, c'est la plus puissante. Zéro 06. Oh, j'ai fait un démarrage de merde là. Pourtant, je l'ai bien scotché au poteau au début, mais ah bah là c'est mieux là. C'est beaucoup mieux là. À deux c'est encore plus mar c'est plus marrant parce qu'au moins vous pouvez vous défier entre vous. Celui qui fait le meilleur temps.
Putain, je l'ai élevé la bagnole. J'ai élevé la voiture. Oh, passage vitesse parfait. Alors, ce qui est marrant, c'est que le truc, c'est qui est le plus marrant dans ces voitures-là, c'est qu'heureusement, il y a le truc à l'arrière. Parce que vous imaginez le démarrage. Ouais, putain, j'aurais fait un perfect pour tout, ça aurait été marrant. Le truc, c'est que le souci de ce bolide-là, c'est que vous imaginez pas de truc à l'arrière, vous levez, vous vous envolez, c'est plus rapide. Hop là! Alors, voyons voir. Nous allons passer à l'Alpha Grand Prix. Donc là, c'est. Ok, d'accord. Aucune restriction. Et je serais bien que. Oh la vache, en alpha. Ok, avec ça. Non, là, je le sens mal. Clairement, je le sens très très mal. Je le sens très très mal. Parce que c'est pourtant pas un des trucs que j'ai horreur, mais ces trucs-là. Merci pour le sortie de piste. J'ai horreur de ce truc là parce que le truc c'est que là par exemple. Oh. Là par exemple. Ça cut toute la. Cut tout le machin. A pas utilisé la nitro sur ces petits trucs là. Ouah, mais elle part trop de côté, c'est chiant. Je sors de la piste, quoi. Ah, mais je l'ai déjà fait avec mon ami. Bah voilà, finish. Bon, moi j'ai passé les points, mais c'est quand même pas facile hein, en voiture sur des trucs comme ça. Surtout qu'elles sont bien boostées ou quoi que ce soit. Je pense que j'aurais fait un peu plus de points ou que j'aurais réussi à battre le champion. Franchement, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais là, clairement, c'était super chaud. C'était super chaud. Alors, on va passer en Alpha Grand Prix. Alors, on va voir déjà le combien ça coûte. Et le combien ça coûte. Parce que. Alors, ça a mis 15 jours pour se mettre.
Allez, allez, allez. Faites-moi plaisir, quelle est la voiture? Quelle est la voiture? Quelle est la voiture? C'est une... Ouais, mais alors là, vu le prix, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Oh bah d'accord, il y a de la neige. Alors attendez, pas... ouais, retour au live, machin, oui. Juste voir ce que... Alors ça, les Jet Sprints. Air Rice, Jet Sprints, on va déjà voir. Ouais. Je crois bien que c'est soit les avions ou soit les hors-bord de merde. Qui est clairement nul. Mais ça sera déjà moins cher, je pense, qu'un avion ou... Ou la Formule 1. Ça sera déjà moins cher, ou sinon on va se laisser là, de toute façon. C'est quoi cette merde? Orange. Bien dégueulasse. Ce qui est dommage, alors ce qui est dommage dans ces véhicules-là, c'est qu'en fait on est obligé de jouer avec le stick et ça c'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille et on peut rien y faire. Et ces trucs-là, j'ai horreur parce que c'est pire qu'un bateau. Encore un bateau, ça va, c'est maniable, c'est tranquille. Que là, là, faut vraiment gérer la direction. Ouais, en plus, il y a vitesse max 141 et puissance chevaux, je suis à 850. Ok. Ah bon, 850, faut les envoyer quand même, hein. Parce qu'un bateau, encore, vous n'êtes pas obligé d'abaisser le stick. Que là, ces trucs-là, faut. On dirait une fusée, le machin. Vous avez rien entendu. Ah bon? Facile le stick de merde. Tiens, pour ceux qui jouent encore à The Crew ou qui regardent un peu mes vidéos sur The Crew, dites-moi quels sont les véhicules préférés que vous aimeriez jouer ou ceux qui jouent encore sur ce jeu.
Qui joue, hein, clairement. Dites-moi, quel est le véhicule que vous jouez le plus souvent? Parce que bon, moi, c'est quand même les voitures que j'aime le plus souvent jouer. Parce que là, clairement, Edge Sprint, c'est vrai que c'est marrant, quoi. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est vrai que la manipulation, l'utilisation du véhicule est pas fiable en fait. Donc en fait, une fois qu'on est droit, ça peut aller. Faut pas trop l'envoyer sur la gauche ou sur la droite. Mais c'est pareil pour le hors-bord, le machin de avec les pneus là de chaque côté, hein, comme je les appelle moi, les machins gonflables. C'est vraiment pas pratique. Donc bon, là faut vraiment en avoir dans le slip, comme dirait l'autre, pour réussir à faire un temps. Là, j'imagine le truc 2,18. Ouais, si, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais faut être clairement pété à un niveau. Faudrait avoir un niveau de pilotage hors norme sur ces véhicules-là que. Là par exemple, là je suis en platine, mais je perds des places, donc clairement, je sais que la semaine prochaine, c'est soit je serai retourné en avec, c'est soit j'ai la voiture ou pas, alors c'est clair. Mais ouais, c'est super chaud. Au niveau manipulation, c'est chaud. Bon, au moins, on a des pièces dorées pour ce véhicule-là. Même si on va pas l'utiliser souvent. Mais bon, ça pourrait devenir mon futur bateau de croisière. Non, je plaisante. Par contre, on a des jetons. Ouais, vert. Vert. On a du vert. Et on a du bleu. Ouais, super, du bleu. Ouais, du bleu. Et j'imagine qu'on n'a pas de custom pour ces trucs-là. À part pour les couleurs. Ouais, c'est pour les couleurs. C'est pour les couleurs. Bon, bah voilà. Une nouvelle acquisition. Nouvelle acquisition sur. Dans mon truc, là. Clairement. On dirait plus un avion. On dirait un sous-marin. On dirait un sous-marin, le truc. Alors par contre, il avance tout seul, hein. Clairement, il avance tout seul. Clairement, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais à voir. À voir pour le. C'est pas mes véhicules préférés. Faudrait que j'y joue un peu plus souvent, peut-être que ça m'intéresserait. Mais clairement, c'est vraiment chaud. Même pour faire une course normale, c'est super chaud. Donc voilà. Merci encore. Passez une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche de notification, c'était Drac Survie, et peace les gens, c'était Drac. Peace!